Bonjour, bonjour. On se retrouve donc pour une nouvelle participation ouverture de courrier qui nous vient de Laetitia. Laetitia qui est dans le numéro département 27. Merci Laetitia pour cet envoi. Et donc, sans plus attendre, nous allons découvrir ce que tu nous as envoyé, ce que tu nous as fait. Donc, je vais vous basculer sur mes mains. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et que votre journée de jeudi se passe au mieux. Donc, nous allons découvrir tout ça. Donc, très jolie carte, une carte. Ici, la Memory Dex. Je crois que c'est la Memory Dex. Il y a un petit quelque chose encore là. Donc, nous allons découvrir tout ça. Voilà, je vais mettre ça dessus. Voilà, pour que... Voilà, donc, qu'est-ce que nous a envoyé Laetitia? Je vais vous basculer sur mes mains, voilà, sur le bureau pour que vous puissiez bien voir. Alors, on va commencer par la carte. Très, très jolie carte. Donc, c'est sur une carte sur le thème Noël. Donc, tu as maté ce qu'on appelle la carte. Donc, tu as mis des petits diamants. Je vous montre sa très jolie carte. Voilà, une carte de Merry Christmas, donc de Noël. Voilà, nous sommes encore dans le thème, hein, c'est l'hiver, voilà. Donc, il y a des petits rondins de bois ici. On a une petite luge. Ici, elle a marqué Merry Christmas. Enfin, c'est une étiquette. Ici, il y a des petites découpes étoiles, des die cuts. Ici, donc, tu as maté autour de la carte. Tu as fait des angles arrondis. Très bien. Ici, il y a des petits diamants, trois petits diamants. Donc, c'est un cadre où dedans, il y a le Père Noël avec une voiture, je crois. Je vais prendre ma loupe pour améliorer la netteté malgré mes nouvelles lunettes. Vous aurez remarqué qu'il y a des nouvelles lunettes sur mon nez. Voilà, donc des lunettes claires. Donc, ça change un peu des autres, mais c'est avec... pas de teinte, juste ce qu'il faut pour voir à l'intérieur surtout. Voilà, donc ici effectivement From Santa, donc de Noël, avec des petits cadeaux en fait du Père Noël. Voilà, donc je vous remontre ça. Donc vous voyez au milieu, il y a le cadre avec les petits coins. Il y a des petits coins ici qui ont été ajoutés. Très joli, très sympa, c'est très mignon ta petite carte. Alors, qu'est-ce qu'elle m'écrit? Bonjour. Je vous souhaite une très bonne année et de belles créations. Merci Laetitia. Merci beaucoup Laetitia de ta participation à mon concours. Et donc, bien sûr, voilà, donc tu porteras le numéro. Je crois que tu es la participante numéro 6, si mon comptage est bon. Donc, il faut que je regarde, mais il me semble que c'est ta participation numéro 6 pour toi, le numéro de Laetitia. Donc, on va passer à la Memory Dex. Je vous laisse admirer la carte ici. Alors, voyons voir la Memory Dex. Donc, il y a du relief, des petits die cuts qui semblent être des gourmandises de Noël. Je crois que le gros au milieu, c'est un cupcake. Il y a encore des informations derrière. Voilà, je vous montre. Donc, je pense que les trous de la Memory Dex vont venir ici. Hein. Voilà. Parce qu'après, en haut ici, peut-être que... Mais je vais... Sinon, il faudra que je remarque ton prénom. Je peux marquer le prénom un peu plus loin. Je verrai dans quel sens je vais mettre les trous. Voilà. Donc, les informations. Elle n'a pas de réseaux sociaux. Elle aime faire des cartes, des boîtes, etc. Elle n'aime pas les albums. Et elle aime toutes les couleurs. Comme ça, c'est parfait. Merci beaucoup, Laetitia, pour ta Memory Dex. Et donc... Je valide ta participation, donc numéro 6, pour le concours des 500 abonnés.
Elle s'est pas arrêtée là, elle m'a fait, elle a mis un papier avec un autre petit mot. Coucou Odile. Oh mais que c'est joli ça. C'est un, alors c'est, je sais pas comment ça s'appelle, c'est dentelé autour. Ça peut être un chipboard qu'on peut éventuellement se servir du bonheur avec une encre marine et puis une boussole ou quelque chose, un truc de navigation. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, très joli. Donc c'est sur du papier craft, on dirait, avec des bords biseautés, voyez, des bords dentelés, pardon. Et donc c'est une petite carte du bonheur. Voilà, et elle m'écrit quoi? Donc Laetitia m'écrit, coucou Odile, j'espère que cette petite carte va te plaire, te faire plaisir. Oui, elle me fait plaisir, merci beaucoup Laetitia. Bonne année aussi à toi et à vous tous, et puis surtout la santé, c'est sûr, oui. Et beaucoup de belles créations. Bisous Laetitia. Merci beaucoup Laetitia. Je te souhaite également mes meilleurs voeux ainsi qu'à vous tous. C'est vrai que je ne l'ai pas redit. Je ne pense pas forcément à le redire. Je suis dans une autre dimension. Et du coup, voilà, je pense plus à découvrir vos créations et tout ça. Et en fait, ça n'empêche pas qu'on peut se souhaiter la bonne année. On a jusqu'à fin janvier. Après, on peut, voilà, après ce sont, voilà. Donc, je vous remontre un petit peu ces jolies créations. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que cette petite ouverture de courrier de participation vous aura fait plaisir. Et puis, merci encore à Laetitia de ta participation. Et puis, j'espère que vous portez tous et toutes bien. Voilà. Et puis, moi, je vais continuer. Pour l'instant, les ouvertures de courrier, il y en avait encore une. Mais pas de participation au concours. C'est une ouverture du coin du cœur. Donc voilà, je vais vous faire passer ça. Et puis je vais faire un haul action aussi. Voilà. Donc je vais faire ça. Donc voilà, ça c'est bon. Je vais remettre ça là-dedans. Voilà. Et ensuite, je vais mettre la mémoire d'ex quand j'aurai fait les trous. Voilà. Merci beaucoup et donc je vous dis à très vite. Bye bye, merci.